Salut tout le monde, bienvenue pour la vidéo découverte de la nouvelle saison du chapitre 5, saison 2 de Fortnite. On regarde juste rapidement le pass de combat, du coup on aura Cerber dès que le pass de combat sera acheté. Une variante de Cerber au niveau 2, je pense le meilleur skin du pass de combat Aphrodite qui sera au niveau 3. Une variante de Aphrodite à la page 4, Poséidon qui est incroyable. La variante de Poséidon qui est bien plus incroyable que sa version de base. Méduse que je trouve pas folle en vrai, je trouve pas le skin incroyable. Zeus est très stylé mais je trouve qu'il sera injouable en version compétitive, etc. On a enfin Artemis, le dernier skin, qui en vrai est pas mal Artemis. Surtout sa variante, je trouve qu'il est bien mieux avec son masque, etc. Et enfin Hades, le skin passe de combat niveau 100. Très stylé mais au final, encore une fois, pas forcément jouable. Ok, on est parti, découverte nouvelle saison de Fortnite. Je suis trop hype, ça a l'air incroyable. Déjà que ça fait 12 heures qu'on attend. Je tourne la vidéo à 6h03. Je n'ai pas dormi, j'ai lancé le live à 8h, bientôt 24h sans dormir. C'est pas grave, on va découvrir ça. Ça va être incroyable, regardez à quel point la map est belle. Je trouve qu'il y a des petites vibes chapitre 4, c'est trop stylé. Bon, par contre l'FPS en sueur. D'ailleurs, bientôt une vidéo pour optimiser vos FPS. Vous allez voir que c'est incroyable. Nouvelle arme, non, du coup le pompe chasseur qui est resté. Ok, on a le nouveau coffre. Attends, déjà on a les ailes. Attends, c'est un gars qui vole ça. Est-ce qu'on peut voler vers lui? En vrai, c'est fou à quel point ça va être un item de rotate trop fort. Regardez à quel point on peut voler. Hein. Je sais que si on se fait tirer dessus, on peut tomber. Là, il est un peu bloqué quand même. Ah, mais on peut aller à gauche, à droite. Attends, en vrai, l'item est assez cool. Hein. On va essayer la PM. Bon, c'était un méchant bot, mais la PM ressemble beaucoup à la PM de combat. Pour ceux qui ont joué au chapitre 3. On a la nouvelle AR justement, qu'on va pouvoir essayer. Bon, encore un bot. Heureusement, hein, j'ai lancé un MM. Le but, c'est de découvrir. L'air a l'air pas mal, on voit qu'il y a beaucoup de bloom. Je trouve que le biome est vraiment stylé. Et qu'à la différence des autres biomes, il y a... Waouh. Ouais, il fait beaucoup de dégâts, hein. On a une bonne visibilité. On va essayer de line à la PM. Ok, on peut pas rentrer dans la box. Aïe. Attends, il a le truc de Zeus. Je crois qu'il y en a un. Attends, il est mort. Je crois que le mec au-dessus a le truc de Zeus qui a l'air vachement fort hein, quand même. Bah je pense que je suis mort pour ma première game. Attends. C'est quoi cet item? C'est quoi cet item de fou là? L'item de Zeus a l'air beaucoup trop fort. Par contre le mythique, est-ce qu'il se récupère comme ça ou il y a besoin de tuer le boss? J'ai l'impression qu'il y a eu le mythique super facilement là. Bon ok, on y retourne, cette fois-ci vous avez vu la map. Au lieu d'aller à l'Olympe, on va essayer d'aller vers Hades. Du coup, grosse différence cette saison, c'est sur les médaillons. Il y a toujours 4 médaillons à avoir. Mais cette fois, au lieu qu'ils donnent du shield, ils vont donner des pouvoirs spéciaux. Donc on va avoir le pouvoir de pouvoir sprinter plus rapidement et de pouvoir sauter plus haut. Le pouvoir d'avoir le mode sangsue. Et ça c'est incroyable. Attendez, par contre il y a beaucoup d'armes. Le fait de faire plus de dégâts, alors attendez, je prends juste une répulsion violette. Je crois qu'il y a un gars juste à côté, on va essayer de courir. Je sais pas trop ce qui m'est arrivé. Je crois que j'ai fait n'importe quoi. Au moins on a une arme. Est-ce qu'on... Attends, là il y a un coffre. On a toujours de la répu. Donc là on a quoi? On a Zeus. Mais attends, mais Zeus c'est super facile à avoir. Le pouvoir de Zeus. Et j'ai l'impression qu'il est vraiment super fort. On va essayer d'en abuser. Est-ce qu'on pourrait aller voir le trône un peu, voir à quoi ça ressemble? Parce que ça pourrait être sympa. Attends, ça c'est... Attends, c'est un sniper ou c'est une aire? Regardez à quoi ça sert ça, c'est... On a vu la statue défiler. Je suis bof. Quelqu'un veut... Non, 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 non. Je suis chaud de partir là, chef. Laissez-moi tranquille. Non. Non. Je veux pas avoir affaire à vous. Attends, pourquoi je peux jump comme ça? J'ai aucun médaillon. Aucune idée de la raison pour laquelle je peux jump. Vraiment. Je sais pas si c'est parce que ça fait 24 heures que j'ai pas dormi ou si c'est que la saison est compliquée à comprendre, mais je vous assure que je comprends rien là.
Non, c'est nerf, merde. Est-ce que... Attends, ça touche à travers. Ça touche à travers. Mais attends, mais c'est trop fou. Il a plus de dash aussi, du coup j'imagine que c'est... Une fois qu'on est un peu dans cette zone, on peut dash. Ok, on va pouvoir le tuer. Est-ce qu'on peut voler? On va aller prendre le coffre. Mais attends, mais... Non, chef. Je comprends rien, je comprends rien. C'est... Le mystère est total là pour moi. Ouais bon, pourquoi on... Non. Ok. Je comprends rien au jeu, genre. Combien de degrés c'est quoi ça? C'est-à-dire qu'on doit utiliser Zeus à chaque fois, on... J'aurais peut-être dû lui tirer. Peut-être le counter de Zeus, c'est le moment où la personne ne peut plus bouger. Mais à part ça, je vois pas trop. Ok, on prend notre revanche sur le mont Olympe. Cette fois, c'est top 1 en rien. Histoire de découvrir le parapluie du top 1. Par contre, il y a beaucoup de monde. Attends, on a déjà le truc. Et s'il nous permet de voler, non, il nous a donné une air. Du coup, ce truc ne nous donne pas forcément. Attends, il y a un mec là. Attends, c'est. C'est la pire arme que j'ai vue de l'histoire. C'est trop fort ce pouvoir. Est-ce qu'on peut vraiment s'accorder pour dire que c'est trop fort genre ou... Parce que j'ai l'impression que ça passe à travers les construits. En fait ça me paraît juste trop fort ce truc. Ah ça marche pas toujours. Ok on va faire un spawn plus classique cette fois. Pour des raisons évidentes. Et ensuite... Non mais ça y est, laissez-moi tranquille. Parfait, on a la nouvelle PM. On a le nouveau pompe, on n'a même pas pu le tester encore. Potentiellement pour l'instant, les pouvoirs sont peut-être un peu trop forts, je trouve. J'ai pas pu tester tous les pouvoirs. Ok, on va lui sauter dessus en pad. Vous êtes prêts? Ça va être maintenant. On va pouvoir tester le pompe. C'est ce que ça donne. Il est là. Ouais, me mets pas une balle de snipe par pitié. Spam. Hein. Ah ouais, mais non, mais il y a trop d'escape. Genre. Je peux jump aussi. En fait, je comprends pas trop comment le médaillon marche. Là, je peux jump. Waouh. J'ai pas vu combien je l'ai mis. J'ai jump et j'ai esquivé une balle de snipe. Mais je comprends rien. Comment on jump? Pourquoi on peut jump? Il y a beaucoup de questions qui se posent. On a peu de réponses. Ok, lui on va le jouer à l'ancienne. Lui aussi peut jump. Ouais, du coup je peux le tuer. Il a un snipe. Est-ce que c'est... Ouais, c'est l'ancien snipe classique qu'on connaît. On va reprendre le pad et on va repartir là-bas, mais je... J'arrive pas à comprendre pourquoi on peut jump en fait. J'aimerais bien faire un top 1 quand même pour avoir le parapluie. Les zombies... Non, non, il y a bien le boss. C'est quoi qui m'attaque? Rien. Attends, on peut manger les fiches en bougeant. C'est énorme. Pourquoi je me fais agresser par un boss? Laissez-moi tranquille. Je veux pas aller au nouveau spawn. Est-ce que je peux juste, voilà, avoir le kit tranquillement? Kevin, je comprends rien. Je vous jure, je comprends rien à la nouvelle saison là. Bon, ok, dernier spawn à découvrir. On a fait les enfers, Grimgates, Brawler Battlegrounds. Il nous manque le mont Olympe. Si jamais je fais encore un retour lobby, on mettra ça sur la faute de la fatigue ou alors sur la faute des nouveaux pouvoirs. Parce que le pouvoir de Zeus, ça a l'air quand même vachement fort. J'avoue que j'ai du mal à comprendre comment je meurs depuis tout à l'heure.
potentiellement c'est moi qui colle, hein, mais le pouvoir de Zeus a l'air très fort, hein, a priori. On a un pompe là-bas. Les spawns par contre sont magnifiques. Allez, attends, là du coup je vais avoir un pouvoir. Ok, j'ai encore le pouvoir de Zeus. Est-ce que... Non mais... Il n'y a même pas eu le troisième coup, genre. Sachant que le troisième coup passe à travers les constructions quand même. Ça me paraît un peu... un peu fort. Ok, par contre, il n'y a que deux... Enfin, trois charges en tout. C'est peut-être ça qui me nerfe un peu. Est-ce que par exemple, on va essayer de le faire sur le... Est-ce que je peux le faire sur lui? T'as vu mon pote? Ok, parfait. Normalement, il y a une animation pour déclencher le boss. Donc ça, en vrai, ça peut être un peu cool parce que au moins, le boss va pas venir te rendre fou. Alors que tu l'as pas demandé. Il y a des tiros. Donc ça, c'est le boss, j'imagine, c'est Zeus. Oh, bien, bien là, mon pote. Ok, vraiment. Ou oh, vraiment, vraiment. C'est pas fou ce qu'on lui a mis. Il a l'air bien meilleur que nous. Oh, mais chef, on ne voit pas là. Il fait. J'ai la pire arme. Ah, mais t'es blanc, toi. Voilà, ça c'est chiant. Parce que là, du coup. Ça passe à travers. Ouais, non, mais en vrai, c'est trop fort. Je vous jure, on comprend rien avec le nouveau pouvoir, genre. Faudrait que j'aille prendre la bonbonne là-bas. Ah, mais il y a Zeus dessus. Si je peux prendre la bonbonne plus le kit. Voilà, juste ça. Non, laisse-moi tranquille, s'il te plaît. J'ai besoin de me remettre bien. J'ai pas eu le kit. Le problème, c'est que Claude va juste me renvoyer des frappes de Zeus dans le crâne. Bon, par contre, on pourra noter la musique qui est incroyable. Et même le fait qu'il y ait une barre de boss, ça, c'est très stylé. Ok, l'autre veut vraiment me jouer. Si on arrive à le tuer, je pense qu'on sera tranquille pour faire le boss. Juste farm tranquille. Comment ça? Mais comment ça on me stream à quand? Mais... Quoi? Attends. Là c'est plus que lunaire. Écoutez-moi, il est 6h30 du matin. 6h30, on attend la maintenance depuis 8h. Je suis pas en live. On arrive à me streamer. Qui est cet homme? Je vous jure, je vais aller voir en replay qui c'est. Par pitié, comment c'est possible, genre? Comment il savait même que je spawnais là? Mais j'ai tellement de questions à lui poser à ce mec. Attends, mais c'est le streamer. Mais qui es-tu? Ah. Attends, et là il a une barre de vie, mais attends, mais il est trop puissant, genre. Je sais pas en fait, ça, imaginez, c'est pas un streamer, juste le mec veut faire l'alliance pour tuer le boss tellement il y arrive pas, genre. C'est ça en fait. Je vous jure que là. C'est trop lunaire ce qui se passe. Et là, c'est quoi? Le médaillon. Attends, on a vraiment un démerde pour ça là. Puisez dans la vieilleur de Zeus, vous courez plus vite et sautez plus haut quand vous sprintez. Ah, c'est vrai que je cours plus vite. Et je saute plus haut. Là-dessus, ils ont pas menti, mais. Pourquoi il fait quoi ce gars, genre? Je crois qu'il est là pour que je fasse top 1. Genre. Fortnite, t'as compris que je devais aller dormir là. Ils ont compris que ça fait bientôt 24 heures que j'ai pas dormi, qu'il faut que je me repose. Je vous jure que c'est trop lunaire.
Qu'est-ce que ce mec fout là, genre? Frère, c'est 6h30, je sais même pas pourquoi je tourne une vidéo maintenant et il est là, il... Qu'est-ce que tu fais là? Mais t'y es-tu? Par contre, il y a toujours la météo aussi, ça c'est intéressant à savoir. Regardez-le, genre. C'est qui ce mec, genre? C'est qui ce type? Y'a un gars là, par contre. Ok, y'a plus personne. Ah ouais, par contre, le DMR. Hein. Est-ce que ça me donne du shield? Ah ouais, par contre, le sprint, c'est très spécial à jouer parce que le fait de courir plus vite. Attends, tu peux vraiment faire des plays stylés, genre. Il sait quand même jouer, je vais me concentrer un minimum. Oh, c'est hyper dur à jouer, c'est tellement, comment dire, différent. C'est quoi ça? 243 mètres, attends, je vais essayer de vite le tuer. 500. Ok, on va vite prendre ton air parce que l'air que j'ai est horrible. Spécial aussi le fait de quoi? Enfin, je sais pas, c'est... Moi, je suis quand même content le fait que les médaillons ne donnent plus du shield, mais ont des pouvoirs spéciaux. En fait, je trouve ça, il y a un changement plutôt cool. Et en fait, regardez ça, je crois que c'est ça le nouveau changement. Ça permet d'ouvrir, en fait, tout simplement un endroit pour améliorer ses armes. Bon, on voit qu'il y a quelqu'un qui a réussi à faire l'amélioration. Non, mais c'est encore notre pote. C'est qui ce type? Vas-y, on va prendre le truc pour voler un peu. Je pars d'ici, je comprends plus rien. Attends, il y a un gars là en plus. Attendez, on va essayer de le jouer. Là, on fait sprint. On saute. Bon, c'est un bot. Mais je pense qu'il y aurait vraiment des clips fous à faire. Et j'ai hâte de voir des gens comme... Attends, pardon. Mes ailes disparaissent au bout d'un moment, ok. J'ai hâte de voir des gens comme par exemple Malibuka et tout s'en servir, enfin des joueurs pros, voir ce que ça va donner in-game. On va essayer peut-être d'aller chercher les autres médaillons pour essayer de voir, parce que je sais qu'il y a un médaillon qui permet d'avoir le mode sensu. Mais pour l'instant, la saison est incroyable. J'ai peur que le pouvoir de Zeus, honnêtement, soit un peu trop fort. Mais bon. Possible que aussi je sois pas dans mon meilleur jour, on va dire, pour gagner ça. Il y a tiens, encore un établi qui s'open, on voit avec une faille. Ça, je trouve ça cool aussi que les établis arrivent un peu comme des caches. Ça permet de, comment dire, d'avoir aussi... Attends, wow, ce que j'ai pris. Ouais, mais c'est... Ok. Bien joué à lui. Honnêtement, avec le temps de sommeil que j'ai, je pourrais pas faire mieux, je pense. Je sais toujours pas qui c'est, ce streamhacker. C'est énorme. Malheureusement, j'aurais pas le parapluie top aujourd'hui. Je suis quand même content de ce que j'ai réussi à faire en lançant une game à 6h30. J'espère que vous avez été content de découvrir cette nouvelle saison avec moi. Je pense que la prochaine vidéo sera une vidéo où je rush le rang Unreal qui est devenu bien plus difficile à atteindre aujourd'hui. Évidemment, ce sera en full tryhard, etc. En essayant de prendre en compte les changements, les nouveaux pouvoirs, les nouveaux sorts qu'on a. Parce que le jeu, mine de rien, est devenu bien plus mécanique maintenant. Et voilà, hein, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'hésitez pas à aller jouer sur la map Bullfight ou la map FFA avec les nouvelles armes pour vous entraîner. Et essayer de vous mettre au point sur ces nouveautés. Likez la vidéo et vous abonner. Et nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao tout le monde!